Ah, le logis Brice sans père de 1571. Il n'en reste qu'une fenêtre où on peut lire « Post Tenebras Lux ». Une phrase liée à la foi protestante. On suppose qu'en sous-sol, il y avait le temple. La politique de tolérance de Beau, au XVIe siècle, a permis aux protestants de pouvoir être accueillis en nombre. Mais ça n'a pas plu à Louis XIII. Alors il a donc envoyé ici le cardinal de Richelieu, afin de convertir les protestants. Mais à la religion d'État, le catholicisme, qui était la religion officielle à l'époque. Mais suite à leur refus, le roi a décidé de démanteler le château pierre par pierre, ce qui explique un peu son état de ruine à l'heure actuelle. Richelieu a donc décidé de détruire ce bâtiment. Ça donne un message clair aux protestants des Beaux. Vous avez refusé notre religion, voilà ce qu'on laisse de la vôtre. Maintenant, vous pouvez résoudre l'énigme qui se trouve dans votre livret et vous diriger vers l'hôtel de ville.